Waouh, j'aime tes éventails. Tu vas m'en offrir un. Pour faire un peu d'espace. T'offrir, tu vas me donner de l'argent. Oui, ma copine. Offre-moi juste un. Eh bien, à quoi servent les amis? Je t'offre un. Tiens, merci. Tu peux te mettre à l'aise. Tu peux t'en servir. La chaleur est trop forte. Gâchis, je te dis. Tu devrais être capable de bien cibler ton plat. Oh, cette fille. Maman, bon après-midi. D'où est-ce que tu viens? Maman, je suis allée quelque part. Où tu en es? Ferme ta bouche. Quelque part? Ah, tu es allée prendre quelque chose? Réponds. Non, non, je n'ai rien pris, maman. Je suis allée voir Zizi. Tu es allée voir Zizi. Prends ce que tu as dans le dos. Tu caches quelque chose dans ton dos. Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Maman, je ne cache rien. Maman, Ntiaka Soué. Maman. Ntiaka Soué. Je ne cache rien. Vas-tu revenir ici? Non, non, maman. Hein? Non, maman. Reviens ici, oh. Maman. Tranquille. Si elle se fâche, elle ne mangera pas. Oui, maman. Chimérie a raison. Il ne faut pas te mettre en colère. Vous allez toujours la supporter. Même lorsqu'elle fait du mal, vous la supportez toujours. Un jour, tout ceci va retomber sur vous. Croyez-moi.
très bon. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Obina, qu'est-ce que tu fais? Maman, je veux donner un peu à Olezeran. Toi, tu es un fou. Tu veux dire que tu prends ma nourriture pour donner à Ilozoram? En tant que qui? Hein? Es-tu stupide ou quoi? Maman, mais nous avons déjà mangé, non? Et elle n'a rien mangé depuis le matin. Tu es un bon samaritain. Un bon samaritain qui pense aux étrangers. Donc tu veux prendre ma nourriture pour jouer au bon samaritain? Lui donner ma nourriture pour quelle raison? Hein? Parce que je suis sa mère ou quoi? Hey! Vas-y, dis-moi. Ou alors parce qu'elle a contribué à la ration de cette maison? Dis-lui, maman. Hein? Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Elle fait la plupart des tâches dans cette maison. Attends. Toujours, tu lui donnes pas à manger. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Et toujours, tu lui donnes pas à manger. Ferme ta bouche. Était-ce juste quand elle et sa mère ont tué mon mari, ton père? Dis-lui. Était-ce juste? Maman. Mais tu sais que papa est mort d'une mort naturelle, non? Et qu'est-ce... Pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce qui a causé la maladie en premier lieu? Qu'est-ce qui a causé? Maman, Nem. Remets ma nourriture. Et si tu ne veux Animal plus manger, sauvage. S'il te plaît, va à l'intérieur. N'importe quoi. Mais partage ça avec ta soeur, non? Oh, Guinido. Oh. Elle est en train de m'intimider. Ah. Alors utilise ta canne sur elle. On dirait que tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme? Utilise ta canne sur elle. Moi, essaye voir. Mettez-moi pas de nourriture. Mettez-moi pas de nourriture. Ne t'inquiète pas, Né. Elle va mettre pour toi. Allez, tiens-toi bien. Tiens-toi bien, je vais tomber. C'est quoi ça? Tiens-toi bien. Ne t'inquiète pas, elle va mettre pour toi. Hein? Tiens-toi bien. Vous aussi mangez doucement. Je veux que tu fasses très très attention. Et prends tout ce que je vais te dire très au sérieux à partir de ce moment. Tu vois ce terrain? Ici, jusque là, cet endroit. Tu vois cet arbre? Hein? Par rapport à l'autre arbre. Tu descends comme ceci jusqu'à ce grand arbre de ce côté-là. Ce dernier vers le bas? Vers là-bas. Tu prends comme ça, hein? Jusqu'à ce grand arbre, d'accord? Ok? Oui, ici-bas. Comme ça. Hein? Voici le terrain. D'accord? Il y a une parcelle d'ici à là. D'accord? Oui, papa. La raison pour laquelle je te montre ce terrain, on ne sait jamais. Au cas où je viendrai à rejoindre mes ancêtres, ce terrain deviendra automatiquement le tien. Est-ce que tu m'as compris? Oui, papa. J'ai vu le terrain et les limites qui sont les tiennes. Mais papa, je me sens si triste. À chaque fois que tu fais référence à ce mot, quand tu partiras, je n'aime pas ça, papa. Mon fils, je n'aime pas ça. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Parce que la mort est une fin nécessaire. Tout le monde ira au pays des morts. Oui, je sais, papa. Mais il y a un temps pour toutes choses. Les choses doivent arriver au bon moment. Pas dans des circonstances malheureuses. C'est de ça que je parle. C'est le moment qu'il faut montrer ces choses. Udenze! 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 Udenze, qu'est-ce que tu fais là? Udenze, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais. Je t'ai plusieurs fois prévenu de ne plus entrer sur mon terrain, Udenze. Qui est-ce qu'il a dit? Je t'ai prévenu. Qu'est-ce que tu fais là? Udenze, pourquoi veux-tu tester ma patience? Mazi Ibe. Tu sais, je n'ai plus besoin de te demander si tu es malade ou non. Parce que tu as perdu la raison il y a longtemps déjà. Depuis que tu as développé l'habitude de voler des terres d'autrui. Celles qui t'appartiennent et celles qui ne t'appartiennent pas. Mazi Ibe, fais attention. Oudens et moi, voler les terres, alors que j'ai les miennes. Quelle terre? Alors que j'ai des terres. Quelle terre? Toi et moi savons très bien que cette terre m'appartient ainsi qu'à ma famille. Et je ne pourrai jamais la céder. Udenze, c'est juste ton ignorance qui te dérange. Et elle est en train de te conduire petit à petit à ta destruction. Ferme-la maintenant. Tu ne sais pas. Allez, tais-toi. Que veux-tu dire par là? Regarde-toi, mon ami. Écoute, si tu sais que tu n'as rien de raisonnable à dire, hein, quitte ce lieu maintenant. Oui, va-t'en. Mon fils, tu es mon témoin. Oui. Quitte ce lieu maintenant. Va-t'en d'ici. Wow, si tu quitte parles. Ce lieu Ferme maintenant. Ferme ta gueule. Quand les adultes parlent, tu te tais. Quitte ce lieu maintenant. Quand les adultes parlent, toi tu la fermes. Ferme quoi? Ta bouche. Il est le propriétaire légitime. Ne suis pas un homme. S'il y a quelqu'un qui doit partir de cet endroit, c'est toi et ton fils. C'est vous qui êtes censé quitter cet endroit, mais pas moi. Quoi? Udenze, va-t'en d'ici. Va-t'en, sinon... Sinon quoi?
Vas-y, B, sinon quoi? Que peux-tu faire? Oudense, va-t'en! Je dis sinon quoi? Va-t'en! Sinon quoi? Ah, que peux-tu faire? Ça va, que peux-tu faire? Papa, je dis sinon quoi? Papa, ça va, sinon papa. Quoi? Papa, laisse-le. Faisons le maître, non, dans ta honte! Il y a quelque chose que tu oublies. Papa, laisse-le. Il y a quelque chose que tu oublies. Qu'est-ce que j'ai oublié? Souviens-toi des paroles de nos ancêtres. Que si tu nourris l'estomac avec de la mauvaise nourriture, il battra le tambour pour que tu danses. Et ton gros estomac est bien fait pour ça. Si tu me dis, vas-y, B, laisse-moi aussi te rappeler que celui qui joue au tambour pour faire danser un faux, lui-même n'est pas très loin de la folie. Oui, tu n'es pas... C'est ce qu'on verra. Tu n'es pas... On verra bien qui est le fou. Je dis que tu n'es pas... On verra bien qui est fou. Tu as un problème. On verra bien qui est fou. Tu vois, tu vois bien ton ventre. Je dis que tu n'es pas normal. Papa. Je dis que tu es un fou. N'importe quoi! Vas-y, B. Qui a-t-il? Écoute! Dis-lui de quitter mon terrain! Regardez-moi, c'est insensé! Dis-lui de partir de mon terrain! Dis-lui de libérer mon terrain! Allez, quittez ce terrain maintenant! Jusqu'à présent, tu ne sais pas ce qui t'attend! Dis-lui de quitter mes terres sur papa, le champ! Papa, laisse-le partout! C'est pas vrai! Tu sais, c'est mon terrain! Laisse-le! Tu vas tuer cet homme! Papa, laisse-le partout! Papa, laisse-le partout! Papa, laisse-le et partons. Papa, laisse-le et partons. C'est bon. C'est bon. Hein? Vas-y, B. Pourquoi je suis ici? Ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce qui va aller, Mazi ou Kézé? Qu'est-ce qui va aller? Pourquoi m'as-tu amené hors de cet endroit? Tu aurais dû me laisser montrer à cette espèce de fou ce que je fais à des énergumènes de son espèce. Regarde, calme-toi. Vas-y, mais se battre les uns les autres, je ne vais pas régler ce différend. Hein? Pas du tout. Au contraire, ça empirerait la situation. Je pense que la meilleure façon de régler ce problème, c'est de l'amener devant le Conseil des Anciens, pour qu'ils puissent en débattre. Le Conseil des Anciens? Hein? Le Conseil des Anciens? Oui. Pourquoi devrais-je discuter mon héritage devant les Anciens? Mon propre héritage? Mazibi, parce que deux personnes revendiquent le même héritage. Oui, deux personnes. Je le revendique, parce que c'est mon terrain. Mazibi. Parce que c'est mon terrain. Mazibi, je continue de maintenir que tu amènes l'affaire devant le Conseil des Anciens pour qu'ils prennent une décision sur ça. Au lieu de vous battre l'un contre l'autre. Ah, se battre! Je n'ai pas du tout peur de me battre. Je n'ai jamais eu peur de me battre. Je n'ai pas peur de la bagarre. Je n'ai jamais eu peur de me battre. Je peux me battre. En fait, je suis prêt à me battre contre lui et contre son fils. Je vais les faire bouffer des ignames crus. Ainsi que des macabos, tout ça. On n'en est pas arrivé là. Après tout, mon fils a le même âge que le sien. Après notre bagarre, ils vont se battre. Je comprends. Allons. Et ça, je te le promets, ils vont se battre. Ça suffit. Rentrons à la maison. Allons-y. Hein? I'm your brother.
À laver? Hein? Je te parle! Aïe! T'es encore là à laver? Aïe! Il te faut combien de temps pour laver ces assiettes? Il te faut combien? Combien de temps? Regardez cette fille! Tu m'as giflé! Je vais le faire encore! Que vas-tu faire? Vas-tu vite me laver ces assiettes? Petit petit, tout ce que tu sais faire, c'est manger! Grâce, qu'est-ce qui se passe ici? À ton avis, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Ne peux-tu pas voir que j'apprends cet idiote, cet imbécile? Comment faire ces tâches? Vite! Cette fille est très paresseuse! Ah ah! C'est pour ça que tu l'as giflée? Ah, Obina, c'est à moi que tu parles comme ça? Oh! Maintenant, tu soutiens une étrangère, au lieu de ta propre sœur! Hein, Obina? Mais je n'aime pas cet acte. Cet acte est un acte très méchant. Hey. Tu lui as donné tout, tous les assiettes de cette maison de laver. Et tu ajoutes un coup de gifle sur ça. Hey, attention à comment tu me parles. Un rat comme toi, tu soutiens une étrangère. C'est parce que tu es ma grande sœur. Je ne te dis rien. Maman! Désolé, d'accord? Arrête de pleurer, ça ira. Je ne sais pas pourquoi elle se comporte ainsi. Désolé, d'accord? Désolé. Maman! Oh! Qu'est-ce Maman! Que... Maman! Oh, Guinée! Hey, hey! Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme si j'étais Maman, avertis Obina! Avertis Obina pour moi! Imagine l'insulte que j'ai eue parce que j'ai dit à Elozuna de se dépêcher avec ses tâches! Bien. Obina. As-tu insulté ta sœur? Maman, je ne l'ai pas insultée. Je ne l'ai pas insultée. Elle ment. J'ai juste dit la vérité. Quelle vérité tu dis? Maman, je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas insultée. Oh, bah, bonne étoile. Oui, va-t'en, va-t'en. Va-t'en! Ah. Ah. Oh, mon Dieu. Maman, je veux aller voir mon copain. Quel copain? Tu veux aller voir quel copain? Hein? De quel copain est-ce que tu parles? As-tu un copain? Si je me rappelle bien, tu es rentré l'autre jour en pleurant. Ne t'inquiète pas. J'irai bien. Ne t'inquiète pas, j'irai bien. C'est la même chose que tu as dit la dernière fois. Et tu es rentré en pleurant, n'est-ce pas? Pico, hé, hein? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne me touche pas, va à l'intérieur. Et que cela ne se répète plus, hein? C'est comme ça que tu vas te présenter chez cet ami? Maman, tu vas te présenter ainsi? Pico, Nguane. Hey. Regarde comme ta salive est en train de couler. Ne me touche pas avec ça. Vas-y, tu peux aller voir ton ami. Va voir ton ami. Non, ne me touche pas. Au revoir. Rentre tôt. Rassure-toi de rentrer avec tous tes esprits ici. Écoutez. On ne devrait pas en arriver là. Vous devrez plutôt vous entendre. Nos ancêtres se retourneront dans leur tombe. S'ils voient leur fils
se dresser les uns contre les autres. N'est-ce pas là une honte? Vous me connaissez très bien. Vous me connaissez très bien. Je suis un homme très calme. Vraiment très pacifique. Depuis mon enfance, vous me connaissez très bien. Je ne bagarre pas. Il n'y aurait absolument pas eu de dispute si cette personne insignifiante, qui n'a pas été bien nourrie, qui n'a pas été assez allaitée par sa mère, s'il avait eu la décence de laisser mon terrain, il n'y aurait pas eu de dispute. Mais regarde-le. Mazibé. Il n'est pas digne d'être appelé Mazi. Mazibé, je me traite de personne insignifiante. Un petit papillon qui se prend pour un oiseau. Pas celui de la nuit. Tu es un fou. Ha! Un idiot inutile. Oh. Sinon, tu sais, tu aimes aller partout dans les places pour dominer en essayant de t'accaparer des terres trouées qui ne t'appartiennent pas. C'est toi aussi tu as échoué. Doucement. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Et non, c'est idiot. Eh bien, c'est vrai que Mazibé s'est trompé lorsqu'il a vendu le palmier sur le terrain. Mais cela n'est pas la raison. On ne lui donne aucune raison de revendiquer la propriété sur le terrain. C'est Idozo. Vas-y, au courrier. Comment? C'est Idozo. Écoute. Attends une minute. Laisse-moi te dire. Tout est encore frais dans ma mémoire. Quand il a été dit que le terrain vous appartient tous les deux. C'est le plus gros mensonge du siècle. Nous n'avons jamais partagé un terrain. Une fois encore, ce bouffon. Ha! Hein? S'y est opposé des décisions de cette famille. Nous avons pris une décision. Il s'y est opposé. Depuis ce jour-là, il n'a pas arrêté d'insister de faire partie des propriétaires de ce terrain. Cette espèce de fou, ce vagabond est un menteur. Hein? Et je ne vais pas accepter tout ce qu'il peut dire. Je ne vais pas accepter ce qu'il peut dire. Ce terrain m'appartient ainsi qu'à toute ma famille. Et je ne pourrai jamais, jamais l'abandonner. Vas-y, hey. Okori. C'est pour toi que je suis ici. Je te dois énormément de respect, pas lui. C'est toi. Eh bien, il n'y a rien d'autre que je puisse dire. Juste que nous porterons l'affaire devant la communauté. Pour qu'elle prenne une décision définitive. Oui. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Depuis le jour où cet homme, cet idiot, a décidé d'entrer dans ce terrain, de récolter une partie du produit de ce terrain, il a pris sa propre part. Maintenant, le terrain m'appartient et à moi tout seul. Point final. Tu ne peux pas dire ça. Moi, je l'ai déjà dit. Tu ne peux pas dire ça, voyons. Personne ne peut dire être propriétaire de ce terrain. Je le revendique. Qu'est-ce qui avait été décidé? Je le revendique. Il n'y a rien que cet idiot puisse faire. Il n'y a rien qui puisse faire. Vous écoutez ce qu'il dit? J'ai dit que t'es un idiot. Ah ah! Calme-toi. J'ai dit que t'es un idiot, que peux-tu faire? Méfiez-vous tous D'accord, les deux. D'accord, je reprends. T'es un fou. Pourquoi c'est... Tu vois ce qui se passe? Tu n'es qu'un fou. Masoko, je pense que tu as raison. Quand tu as dit que la communauté devrait prendre une décision à ce sujet... Mais bien sûr! Oui, mais... Je pense aussi que... Nous pouvons régler ce problème sans l'aide de la communauté. J'en suis sûr. Oui. Hein? Nous sommes la voix de cette communauté. Nous sommes les gardiens de nos coutumes et de nos traditions. Et c'est nous qui jugeons. Hein? Eh bien, je comprends ce que tu dis. Mais souviens-toi. Sans cette pas de communauté, il n'y aura pas de crédibilité. Pour le jugement. Et de plus... Nos paroles seront sans valeur s'il n'y a pas de solution. Alors qu'il est préférable de porter cette affaire devant la communauté pour une décision finale. Je suis fatigué de ces personnes qui se disputent en haussant le temps tous les jours. Vas-y, Okori, il n'y a pas de décision définitive. Allez, attends. J'ai dit attends, ce que j'avais à dire. Attends seulement. J'ai dit que cet idiot a déjà fini de sa prendre tête, toutes ses preuves. Sa tête va tomber. Commencera. Sa tête va tomber. Asseyez-vous. Calmez-vous. Je vais en finir avec ta tête. Calmez-vous, asseyez-vous. Ça suffit. Asseyez-vous. Tu vas asseyez-vous. Tu seras la première à tomber. Je vais en finir avec toi. Non. Tu seras la première à tomber. C'est moi qui te le dis. Il n'y aura personne. Hey, Nemo, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, Lou. Maman,
Hein? Décortiquer ce pistache est vraiment difficile. Oui, c'est difficile à décortiquer. Ça peut être très difficile à décortiquer. Mais quand tu iras écrasé... Il y a encore des pleurs. J'ai bien dit. Je t'ai bien dit. Je t'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté. Viens t'asseoir ici, tu fais ton deuil. Viens t'asseoir ici. Je dis depuis que de la viens t'asseoir ici. Viens par ici. De ce côté. Oh, Guigny, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Regardez là. Je lui ai dit, chaque fois que tu te rends, je suis Elvis. Et sa mère, tu humilies toujours. Mais tu continues toujours. Bam. Maintenant, tu pleures. Pourquoi est-ce que tu pleures, Mélie? Ne m'approche pas. Allez, assieds-toi là-bas. Ha. Allez, viens. Viens t'asseoir, oh. Assois-toi ici. Assois-toi ici. Je ne comprends même pas ton problème. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu ne cesses d'aller chez ce gars. C'est quoi ton problème? Il n'a pas d'argent, il n'est pas beau. Quel est ton problème? Le problème, c'est qu'elle est amoureuse. Pourquoi continues-tu à rendre visite à ce gars tout le temps? Ce n'est pas comme s'il avait de l'argent. Quel est ton problème? Ce n'est pas comme s'il est riche. Qu'est-ce qu'il y a? Riche, tu dis? Pour commencer, le garçon n'est même pas d'abord beau. Il n'a même pas de classe. Il ne vaut même pas ta sœur, ma fille. Il n'a rien. Il ne la vaut pas. Vraiment. Ne parlons même pas d'être riche. La signification même de ce mot, il ne connaît même pas. Parce qu'il n'a même pas un seul rang. Il n'est même pas riche. Pourtant, il te fait pleurer. Tu es amoureuse. Voilà où cet amour t'a amené. Je t'assure. Vas-tu arrêter avec ces pleurs? Mba. Nebe. Mbebo d'Agia. Pourquoi Chimérie pleure-t-elle? Que se passe-t-il ici? Rien ne se passe ici. Grande sœur? Demande-lui, elle est là, elle t'écoute. Grande sœur? Elle est juste là. Grande sœur, pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Pourquoi pleures-tu? Oh, tu ne réponds pas, t'inquiète pas, je vais répondre pour elle. Elle pleure parce que son copain est là. Et je présume que cette fois-ci sa mère a été venue. En lui demandant de laisser son fils tranquille. L'amour. Grande sœur, jusqu'à quand vas-tu continuer ainsi? N'es-tu pas fatiguée d'être humiliée, hein, grande sœur? Il est évident que les villageois nous évitent et nous traitent comme des pestes. Grande sœur, pourquoi continuer à aller là où on ne te veut pas? Oh, pourquoi? Va-t-elle comprendre? Tu vas lui demander pourquoi. Parce que c'est de l'amour. Tout en sachant qu'on est mal vu dans ce village. Tous les villageois de ce village ne veulent pas de toi. Mais tu t'en vas toujours. Mais cette fille continue de chercher ceux qui ne la veulent pas. Hein? Et bien sûr, il continue à la faire pleurer. Nebe, fille amoureuse. Grande sœur. Mais ma chère, oh, écoute tes sœurs, t'ont déjà tout dit. C'est l'amour. Si tu as les oreilles pour comprendre, il faut comprendre. Sinon, c'est ton problème, même la Bible dit. Tu as les oreilles pour écouter, il faut écouter. Hein? La prédication. Elles ont dit que je suis fatiguée de ce problème. En passant, votre frère, cette espèce de Bina, je l'ai commissionné depuis le matin jusqu'à présent. Pour me faire une course, il n'est jamais rentré. Obina est un têtu. Je vais personnellement m'occuper de lui quand il rentre. Pleure, hein? Oh, continue ton deuil. Arrête avec tes pleurs, Bibo. Ma chère, ferme ta bouche à l'intérieur. Au moins, là, tu l'ouvriras dans tes rêves, hein? Il viendra certainement dans tes rêves pendant ton sommeil. Ok? Va dormir. Grande sœur, ça va aller. Hey. Ça va. Comme ça, tu pourras continuer avec tes pleurs. Ameshi, ne m'as-tu pas vu? Ameshi, je suis trop petit pour être vu. Tu es fou? Hein? Ça ne va pas là-dedans? Comment oses-tu poser ces mains souillées sur moi? Hein? Ça ne va pas chez toi? Ameshi, c'est à moi que tu parles ainsi. C'est moi, Obina, ton ami. Ouais, ça suffit comme ça.
arrête avec ça. Et qui est mon ami? Je t'ai dit, je t'ai dit, notre amitié a pris fin il y a longtemps. Est-ce que tu m'entends, hein? Je ne veux pas avoir affaire à toi dans ce village. Ta famille est maudite. Et si je reste près de toi, je vais être infecté par ta malédiction. Tu comprends? Ameshi, pourquoi tu dis toutes ces choses? D'où viennent toutes ces choses, Ameshi? Obina, 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 suis-je censé te dire toute la vérité? Alors écoute ou tiens-toi bien. Arrête de faire comme si tu ne sais pas ce qui se passe dans ce village, dans ta famille. Alors écoute, écoute-moi très bien. Ne me touche plus, tu entends? Ne me touche plus et ne m'approche plus jamais dans ce village. Maintenant, tu es averti. Ameshi, Ameshi, c'est moi. Ameshi. Je pense que tu es prévenu. Ameshi. Je n'arrive toujours pas à y croire. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas vu mes habits que j'ai séchés. Hey, hey, ma copine, laisse-moi t'aider. Mon Achi est une voleuse. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est devenue une calamité au cas où tu l'ignores, que le village combat depuis un moment. Ma copine, n'oublie pas que les gens veulent profiter de ses actes, même quand elle n'a rien fait. Ma chère, tu parles encore le gros français? Je le jure, Dieu sait, si c'était moi, ses habits, j'aurais déjà découvert qui les a pris. Ma chère, allons-y, allez, viens. Doucement, allons-y. Ça va aller. Encore un petit effort, tu y es presque. Non. Allons-y. Attends, je vais me reposer. Que fais-tu ici? Le bébé arrive, Adam. Que fais-tu ici? Ikem, enfin t'es réveillé? Oui. Un rêve très étrange. Un rêve? Oui. Oui. De quoi parlait ce rêve? J'ai vu. T'as vu quoi? Nem, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui arrive? Le bébé il arrive. Va appeler maman. Va vite appeler maman. Le bébé arrive. Maman, nous avons besoin de ton aide. Le bébé. Maman, le bébé, maman. Maman. Adam, ne t'inquiète pas, tu iras. Maman, fais quelque chose. Oui. D'accord. Ok, maman va prendre son objet, d'accord? Juste la bouche. D'accord. Tout tu iras bien. Ça va aller. Ça va aller. Ma fille. Oui. Ça va aller. Désolée, tu iras bien. Ouvre juste la bouche. Maman a dit d'ouvrir la bouche. Ouvre la bouche. Vas-y doucement. Oh, Chimo. Mais maman, fais quelque chose. Commence à masser son dos. D'accord. Masse-la, ça va aller. Je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Dieu te préserve. Tu ne vas pas mourir. Tout ira bien. Ça va aller. Et le bébé ira bien, d'accord? Désolée. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Allons-y. Nous y sommes presque. Oui. Hein? Nous y sommes presque. Adam, mon fils, masse son dos. Masse son dos. Ça aidera à calmer la douleur. Ne t'inquiète pas, ma fille. Maman, as-tu donc un calmant? Qu'allons-nous faire? Nous serons à la clinique très bientôt. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Je te lâche pas. Ouvre juste la bouche et fais. Oui. Oui, c'est ça. Ça réduira la douleur. Désolée, d'accord? Désolée, moi. Désolée. Mais maman, quand est-ce qu'on arrive là-bas? Nous y sommes presque, nous y sommes déjà. Ikem, ne t'inquiète pas, nous y sommes presque, d'accord? Ok.
Ça va aller. On arrivera bientôt. Maman, tu ne peux pas la porter. Regarde son ventre. Oh. Tu ne peux pas la porter. Tu vas, hein? Nous y arriverons bientôt. Nabike, que fais-tu ici, Nabike? Je te parle. Que fais-tu sur le terrain de mon père? Toi, c'est à toi que je parle. Espèce d'idiot, c'est faux. Je vais plutôt te demander ce que tu fais sur le terrain de mon père. Il est évident que tu penses que je plaisante avec toi. Tu penses que je joue avec toi, pas vrai? Ici, c'est le terrain de mon père. Ton misérable de père et toi n'avait aucun droit de mettre les pieds sur cette terre. Va-t'en d'ici. Djereb, une minute, attends. Je ne te laisserai pas traiter mon père de tous les... Hey. Inarokuya, je ne te laisserai pas appeler mon père de tous les noms. Tout le monde le sait. Tous les habitants de ce village savent que ton père et toi êtes les personnes les plus misérables. Es-tu fou? Aïe. Comment osses-tu? C'était la gifle. Non, c'est le génocide. Comparez-la à ce que je te ferai quand je verrai ton pied sur ce terrain. T'es averti. Nabike, tu m'as giflé. N'importe quoi. Hey! Ah! Ah! Ma tête! Aidez-moi! Ah! Ma tête! Ah! 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 Ma tête! Ah! 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 Nabike, qu'est-ce que j'ai fait? Nabike, qu'est-ce que tu viens de faire? Nabike, je n'ai pas fait. Il nous étions en train de. Il était. Je n'ai rien fait. Nabike, hein? S'il te plaît. Hey, Nao, ce n'est pas. Na. Hey, Nao, non, je n'ai. Non, je vais. Hey. Eh oh, Mazibé, c'est grave. Il y a un problème. Un problème? De quel problème parles-tu? Parle à la fin! De quel problème est-ce que tu parles? J'ai passé par là, et j'ai vu votre fils. J'ai vu votre fils se disputer avec Shidi au champ. Et le désaccord est devenu une grosse bagarre. Nabike a giflé. Shidi a pris une grosse eau et puis il l'a frappé sur la tête, il s'est évanoui. Venez voir de vous-même. Pourquoi racontes-tu de telles bêtises? Venez voir de vous-même, Mazibé. Venez voir. Mon fils! Quiconque a fait ça va le payer! Quiconque l'a fait va payer pour ça! Mon fils! Mon propre fils! Tu es ok, Eze. Écoute, le fait d'avoir des biens est en train de causer leur destruction. Mais laisse-moi te dire, cela aurait été évitable
Mais la forte volonté de leur père l'a empêché. Eh bien. Mais ça sera définitivement résolu au conseil. Absolument. Eh bien, cela sera résolu. Restons en prière. Oui, prions pour que le pire n'arrive pas avant le jour du jugement. Eh bien, mon frère, une minute. Hein? À ce jour du jugement, qu'allons-nous faire? Ha! Ite Okezi. Est-ce toi qui poses ce genre de questions? Non, c'est Louvain. Ne suis-je pas celui qui vient de te poser la question? Ah! Comment peux-tu parler comme un enfant? Hein? En tant que notable et gardien des traditions de ce village, as-tu besoin que quelqu'un vienne te dire ce qu'il faut faire? Eh bien... Ha! Bien sûr que non. Mais je suis déjà préoccupé par la famille. Hein? Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, personne n'est au-dessus de la loi. Tu dois être impartial dans ton jugement. Comprends-le. Je dois te le dire. Oui, ça, je dois te le dire. Maman, j'espère que tout va bien. Tu as l'air inquiète. Tout ne va pas bien, mon fils. Quelque chose de terrible s'est passé aujourd'hui. Mais... Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas ton ami Chidi? Qu'est-ce qu'il a, Chidi? Il a tué le fils de Mazibé. Oh. Ah, maman. Mmh. Tu parles bien de Nabiké? Oui, Nabiké. Hey. Comment? Non. Mais, que s'est-il bien passé, maman? Comme on me l'a dit, Chidi a rencontré Nabiké sur le terrain sur lequel leurs pères se battent. Et ils ont commencé à se quereller. Et en un rien de temps, il a ramassé une grosse roue et a frappé le fils de Mazibé. Et c'est ce qui a causé sa mort. Oh, c'est mauvais, ça. Oh. La peine encourue pour le meurtre d'une personne dans ce village est la mort. Exactement, mon fils. Ikem, je reviens. D'accord. Maman, je reviens bientôt, d'accord? Oh, prudango. Maman. Hein? Ce qui est arrivé est vraiment terrible. Très, très terrible, ma fille. Je ne peux pas imaginer comment Mazibé se sent endurer la mort de son fils. Tout parent peut ressentir la même chose. Tu as raison. Mais pourquoi? Mais quoi? S'il te plaît, laissons ce sujet. Hein? Comment se porte ma petite fille? Maman, elle va bien. Elle dort à l'intérieur. D'accord. Maman, il y a à manger. Non, je n'ai pas faim maintenant. Je mangerai après. Thank you.
Au voleur! Laisse-moi tranquille. Monatier! Hey, une voleuse! Tu t'en es sorti depuis, dans ce temps, dans ce village. Ah, cette fois-ci, tu vas te voir payer, voleuse. Écoute. Derejouk, tu sais quoi? Vu que nous sommes en train de nous diriger sur la place du village, nous l'emmènerons également au conseil. C'est la chose à faire. Tu me passes au conseil! S'il vous plaît. Quelle porte à la chef? Porte ça! Allez! Bonsoir, que se passe-t-il? 5 heures, mon achi. Monachi, encore! Je l'avais dit! Porte-toi! Baisse-toi! Je ne ferai plus! Pardonnez-moi! Je ne ferai plus! Allez! Je suis désolée! Voleuse! Tu vas avancer! Allez! Je ne ferai plus! Je suis désolée! Tu vas faire ça! Tu vas assumer! Oye, Yakun Potado! On a tchaboune boulopotado. Avance! On a tchaboune potado. On a tchaboune potado. On a tchaboune potado. On a tchaboune potado. On y a ni à boulot potado. C'est vraiment incroyable, enfin. Peux-tu l'imaginer? Écoute, et Dieu merci, mon achi a été suffi. Sinon, Chidé serait battu à mort aujourd'hui. Dieu merci, imaginer. Mais attends, notre tradition est autre chose. Les choses doivent changer, Les choses doivent changer. Es-tu celle-là qui va les changer? Je ne le suis pas, mais c'est bizarre. S'il te plaît, allons-y. C'est terrible, Obina! Obina! Ma? Obina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien, maman. Bam. Obina. Écoute. Je vois très bien. Que faisais-tu? Maman, je suis venue vérifier sur l'ozone affiné de laver les assiettes. Depuis quand t'intéresses-tu aux tâches ménagères des l'ozone? Depuis quand? On y a assez. Tu n'as rien à dire pour couvrir tes mensonges. Ne t'inquiète pas du tout. Garde toutes tes mensonges. En tout cas, où est ta sœur? Maman, je ne sais pas où. Elle est partie il y a quelques heures et elle n'est pas encore entrée. Mon Dieu. Je lui ai dit de faire quelque chose pour moi. Elle a abandonné et elle est partie. Faire ses affaires, ok? Va les chercher et rentrer immédiatement ici. Si tu étais à la maison, elle n'allait pas partir. Va les chercher et ramène-la ici immédiatement. Ok, maman. Où veux-tu aller, idiot? Mburu, Obunu Iwaka, on a Poupouane. Adjinou ke no to. Retourne laver la vaisselle, bâtard. Nous n'avons même pas encore commencé. Oh, tu es désolé. Allez.
Allez. Ah, s'il vous plaît, je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée, s'il vous plaît. C'est ce que tu n'as cessé de dire. Désolée, désolée, tu mens. Lève-toi. Non, allez, lève-toi. Allez. Quelle porte la chèvre? Ta fille a volé cette chèvre. Et ta fille a fait du vol sa passion. Oui. Femme, tu ferais mieux de recadrer ta fille. Tu ferais mieux de la recadrer. Si elle continue dans ses bêtises, elle pourra s'attirer des problèmes où elle ne s'en sortira pas. Oui. Cher jeune de ce village, je vous en prie, cher jeune de ce village. Je ferais mieux. Tu vas avec Sire, ma fille. Je ferais mieux. Bicono, je vais parler avec elle. Je vous en prie. Pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez, Bico. Ça devient incontrôlable. Allons faire ce qu'il faut. Allons-y. Allons-y. Je vous promets, je vais parler avec elle. Je vous en prie. Je vais parler avec elle, mes jeunes. Mes chers enfants, merci beaucoup. Merci, mes chers enfants. Voleuse. Merci beaucoup. Voleuse. Merci. Je vais parler avec elle, mes enfants. La merci. Prochaine fois, ce sera plus que ça. Debout. Allez, debout. Lève-toi. Maman. Partons d'ici. Tu ne veux pas t'élever. Maintenant, tu pleures. Lève-toi. C'est pas le mien. Oh, Guinée, lève-toi et partons d'ici. Allez, lève-toi. 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 Et allons aller. Maman, regarde. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas se lever. À qui appartient ce téléphone? C'est tombé de la poche d'un jeune qui était là. Hey! Et elle a ramassé. Hey! On t'accuse d'un fou. Quand tu tombes sur un autre. Écoute-moi très bien, Mounati. On va te tuer dans ce village. On va te tuer dans ce village, Mounati. Hein? On n'a pas fini avec le vol de chèvre. Et maintenant, c'est le vol de téléphone. Le vol du téléphone. Maman! Je t'aurai. Et vous? C'est donc ainsi que j'aurais perdu mon ami. Hein? Pour quel but? Des problèmes de terrain. Écoute, je ne m'attends pas à ce que tu dises quoi que ce soit. Je sais ce que tu ressens. Tu as subi un traumatisme. Mais les dieux veulent bien t'accorder la grâce d'avoir une seconde chance. Apparemment, il n'est pas mort. Parce que Dieu a un plan pour lui. Un projet. Et tu n'as pas été battu à mort, parce que Dieu a également un projet pour toi. Alors tout ce que je peux te dire pour le moment est que tu dois trouver des objectifs qui te ramèneront sur le droit chemin. Shidi, ne laisse pas les disputes de nos pères causer la ruine des enfants que nous sommes. Ça doit cesser maintenant. La vie est précieuse. Mon frère, tu sais, à ce moment-là, j'ai réalisé le véritable sens de la vie. Le besoin, le but de vivre ensemble. Et si Nabiké était mort, j'aurais été aussi lapidé à mort. Et tout ça pourquoi? Pour une affaire du terrain?
Ah, problème de terrain. Tu as pris tellement d'âmes. Mon ami, tes conseils ne seront jamais pris à la légère. Tu es un homme sage. Merci pour tes conseils. Merci, mon frère. Merci. Je t'en prie. Mazeokeze. As-tu confirmé que le fils de Mazibé est en vie? J'espère qu'il est en vie. Parce que si jamais il meurt, sa mort entraînera une malédiction sur Chidi. Eh bien, je ne pense pas qu'il mourra. Je prie pour ça. Parce que d'après ce que le médecin a dit, je crois qu'il vivra. Je l'espère. Ce qui doit nous préoccuper en ce moment, c'est comment résoudre le problème de terrain. Non, ne pense même pas. Ce n'est pas le moment de parler du problème de terrain. Je pense que ces deux-là veulent absolument s'entretuer. Non! Ils ont perdu ce terrain. Ce terrain sera saisi et donné à la communauté pour l'intérêt général. Ah! Tu veux qu'ils s'entretuent? Non. Mazeokeze, allez, pense-y. Bien, je pense que tu as raison. Ah! Oui. Parce que celui qui cause le malheur des autres enseigne aussi la sagesse. Bam! Je pense que le temps est déjà favorable. Nous nous sommes déjà assez reposés. Tu as raison. Imaginer. As-tu vu comment elle se prenait? Peux-tu imaginer l'embarras? Cette femme n'a aucune honte. Pas du tout. Pense-t-elle pouvoir s'identifier aux femmes de ce village aussi facilement? Ma sœur, ne te préoccupe pas de cette femme. Malgré qu'elle soit mon amie. Je remercie Dieu de n'avoir pas été frappé par cette malédiction qui la suit elle et sa famille. C'est incroyable. Mais tout le monde sait qu'Olozuma est née comme ça. Mais personne ne sait ce qui est arrivé à ses trois enfants. Ma sœur, je ne sais vraiment pas ce qui leur est arrivé. Mais je continuerai de dire ce que je soupçonne. Qui est? C'est soit le mari, soit la belle-mère. Soit Ndidika elle-même, qui est à l'origine des problèmes que sa famille est confrontée. Oui. Essaies-tu de dire qu'Ndidika est une sorcière? Ah, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'Ndidika est une sorcière. Nah, s'il te plaît, tu dois prendre ces médicaments que le docteur a prescrits. Ces médicaments te feront plus de bien que de mal. Et ces médicaments te permettront de vite te rétablir. S'il te plaît. D'accord. Nabike, mon fils. Elle a raison.
Tu dois prendre tes remèdes. Et je sais qu'il est difficile pour toi d'avaler les comprimés. Mais pour elle et moi, qui sommes ici pour nous assurer que tu guérisses, je t'en prie, lève-toi et prends tes comprimés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu ici? Oh! Que fais-tu ici? Oh! Alors ton père t'a envoyé regarder s'il est mort? Bien sûr que non, Ney. Pourquoi parles-tu ainsi? Je suis venu ici présenter mes excuses et faire les choses bien. Oh! Oh! Oui. Des excuses? Oui, Ney. Des excuses? Que la colère de Dieu se déverse sur toi! Mais Diagimi, quoi, Guichi? Des excuses. Désolé. Après avoir mis mon fils dans cet état, tu viens ici pour te faire pardonner. Ney, s'il te plaît, je suis désolé. Va-t'en de chez moi. Va-t'en de chez moi. Ney, je ne peux pas partir comme ça. Je suis venu ici m'excuser. Oh! Je comprends. Tu veux un peu de motivation avant de t'en aller, n'est-ce pas? Attends-moi juste un peu. S'il te plaît, je suis vraiment... Laisse-moi, Ibé! Pourquoi tu n'oses plus revenir ici? Tu viens t'excuser. Viens ici que je te coupe la tête! Tu veux t'excuser? C'est quoi ça? Vous lui avez permis de laisser ça ici? Papa, c'est lui qui l'a déposé là. Ils n'en ont pas besoin, c'est du poison! Il est venu avec du poison et vous l'acceptez! Que ça reste là-bas! N'importe quoi! Les supplications n'aboutissent à rien. Les dieux sont encore silencieux et ils refusent de parler. Les voix sont froides à tes supplications. Pourquoi ça? Que dois-je faire? L'état de mes filles vont de mal en pire. Les moqueries des hommes m'ont enlevé le peu de paix que j'avais. Qu'est-ce que je peux bien faire pour que les dieux m'enlèvent cette souffrance, pour que je puisse un peu avoir de respect? Comme tu le sais, je ne suis qu'un servant des dieux. Je ne peux pas en dire assez ni voir. Je ne peux pas en dire assez ni voir ce qui est suprême. Sauf s'il m'en est permis. Ekumekama, tu peux partir. La cause de tes malheurs. La main qui a détruit le cœur a été tendue par toi. Les larmes ont été versées. Les larmes ont enclenché le processus. Et les larmes t'accorderont la paix que tu recherches. L'homme qui t'a choisi est puissant. Et seules les mains puissantes te libéreront. Ekumekama, Ekumekama. Tu peux partir, femme. Ekumekama.
Ekume Kama. Chuku, Ivula Kwamo, Ilusa Romo, Ivula Kwamo. Ota mien mien, regarde et dis-moi. Izimo, je suis vraiment confus. Pourquoi ne serais-tu pas confus? Pour que tu entendes parler des dieux, tu dois posséder l'esprit de développement et de concentration. Sans ça, même si les dieux parlent, tu ne pourras pas comprendre. Pas du tout. C'est pourquoi je te dis toujours de te calmer. Hein? Est-ce que t'as compris maintenant? La mère de la paix, tu es la bienvenue. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Elle est venue. Elle l'a écoutée. Et est partie. Celui qui fait le mal verra le mal. Et c'est... Le mal sera avec celui qui le fait. Et c'est... Le cœur des méchants apporte le mépris. Mais une âme repentie ne sera libérée de la malédiction que si son cœur est disposé à se repentir. En effet, tu es la mère de la paix. La voix qui parle pour les faibles. Que cela soit ainsi, mère de la paix. Que ta voix soit froide, mon enfant. Et la vieille femme est toujours à ses côtés quand les ossements sont mentionnés dans la Providence. Oh, Titiri se manifestera quand le besoin s'en fera sentir. Ok, miam, miam. Que disent les dieux? Aisément, je suis vraiment confus. Tu vois? Pourquoi ne serais-tu pas confus? Quand tu manques de concentration. Concentré, tu ne l'es pas. Maintenant, laisse-moi te dire, l'un des plus grands secrets pour parler aux dieux et écouter les dieux est la concentration. Et si tu manques de concentration même quand les dieux parlent, tu ne pourras pas comprendre. Tu dois être concentré. Je ne veux pas porter plus de confusion. Est-ce que tu as compris maintenant? Eh oh, bien. As-tu vu Elozuma? Ah.
Je lui ai demandé de laver les assiettes, mais jusqu'ici, c'est toujours sale. Obin est allé au marché avec elle. Qu'as-tu dit? J'ai envoyé Obin au marché pour qu'il puisse acheter la nourriture. Et il ose partir avec ce mal incarné. Et elle aussi, elle le suit bêtement, sachant qu'elle a les assiettes sales à laver. Maman, j'ai essayé de l'arrêter, oh. Mais tu sais à quel point ton fils est têtu. Obin est très têtu. Il viendra me trouver ici. À Galatia, il reviendra me trouver ici. Et quant à cet Oluzuma, il reviendra ici me trouver. Quant à cette sorcière d'Oluzuma, je dis quand j'aurai fini avec elle, hein, elle saura enfin qui je suis. Effectivement. Ah, ah, c'est quoi ces histoires qui nous font sens? Oluzuma est une méchante fille, Ocho. Tu as borobere. Maman? Maman, j'ai faim. Ça ne va pas. Mon estomac gargouille vraiment à l'intérieur. Tu es vraiment stupide. Hors de ma vie avant que je ne t'en colle une. Regarde-moi ça. Maman, j'ai faim. Es-tu stupide ou quoi? Au lieu d'entrer à l'intérieur et préparer pour que ta mère puisse manger, tu es ici à demander et je veux manger, je veux manger. Je ne peux pas me stresser, maman. Je ne peux pas me tuer à la tâche. Je ne peux pas. Me stresser. Que dis-tu? Tu ne veux pas te stresser. Regarde-toi toi-même. Regarde ce à quoi tu ressembles. Quand tu vois quelque chose de bien bouger, tu n'es plus stressé. Tu sautes sur ça et tu voles. Tu sautes sur ça et tu voles. Mais juste pour que tu prépares, tu dis que tu ne veux pas te stresser. Allez, fous le camp d'ici. Anon, fiancé, les noué. Anon, maman. Tu ne peux pas stresser. Que je voie le temps passer et sans voir la nourriture, tu verras de quoi je suis capable. Bon après-midi, maman. Oh, bravo, brave fille. Maman, bon après-midi. Ferme-la. Qu'est-ce qui est bon dans l'après-midi? Hey! Ne t'ai-je pas demandé de laver les assiettes? Tu as préféré laisser et suivre Obin au marché. Hein? Et bois comme moi. Ma, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai insisté qu'elle vienne avec moi. Ferme-la. Que de là. Bien fait. Et bien sûr que c'est de sa faute. Stupide. Laisse-moi t'avertir. La prochaine fois que tu essaieras encore de faire ce genre de bêtises, je vais te tuer. Je vais creuser ta tombe et t'enterrer. Rien ou personne ne pourra m'arrêter. Et quant à toi? Maman, vas-y, occupe-toi d'elle. Toi, cette bâtarde. Hey! Essaie encore une fois. Essaie encore voir. Essaie encore un jour. Essaie encore de le suivre au marché. Essaie encore de me manquer le respect. Essaie encore. Hein? Sorcière, regarde-moi ça. Petite sorcière. Idiot. Pour qui te prends-tu? Regarde-moi. Regarde-moi ça. Petite sorcière, je t'envoie me laver les assiettes et toi tu pars au marché. Animal sauvage. Lève-toi et dégage de là. J'ai du fou le camp de là. Va-t'en. Tu en as encore. Ni est bon, ni. Hein? Dégage-la. Tu es encore là. Sale peste. Regarde-la. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Dégage-la et va me puiser de l'eau. Aussi à mon égout. Oh, crée-toi. Et quand tu vas va me faire manger. J'irai la faire. Tu es trop stressée. Regarde-les. Regarde à quoi ils ressemblent. Qu'ai-je fait? Pour mériter tout ceci, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais été bien sans vous. Très bien sans vous. Sans vous, j'aurais été très bien. Oh, Guini. Oh, Kansinas. Oh, non, ma sini, anio, maman, founuanya. Kounoa, borouni. Nyaka, sorcière. Maman. Maman, que se passe-t-il? Maman, tu as l'air inquiète. Qu'y a-t-il? Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Le fait est que j'ai vraiment fait tout ce qui était à mon pouvoir pour lui parler ainsi qu'à son père, pour qu'il puisse voir que je regrette mon acte. Mais tous mes efforts sont vains, rien n'y fait. Maintenant, dis-moi, comment vais-je leur prouver que je regrette mes actions? Comment? Ah! Chidi, je ne comprends pas. Je ne m'attends pas à ce qu'ils te pardonnent aussi facilement. Les souvenirs de tout ce qui s'est passé sont certainement encore en lui. Alors tu dois continuer. N'abandonne pas. Je pense que tu as raison. Mais que suggères-tu que je fasse? La persévérance. La persévérance résoudra vos différends. Je sais que ce n'est pas facile. Et que ça n'a pas marché comme tu l'espérais. Mais ne laisse pas tomber. Laisse-le voir à quel point tu es sincère. Tu peux le faire. Je pense que tu as raison. Je le savais. Oui, tu as raison. Attends. Que proposes-tu que je fasse ensuite? Montre-lui à quel point tu es sincère. Je pense que tu as raison. Ouais. Tu as tout à fait raison. C'est le mieux à faire. C'est exactement ce que je vais faire. Alors, qu'a dit ton père à propos du terrain? Mon père, malgré toutes ces circonstances, cet homme reste un homme têtu. Ha! Tu ne connais pas mon père. Je lui ai parlé de toute façon. Et J'observe, écoute, sais-tu ce qui dérange mon père? Il aurait accepté tout accord, mais laissé le terrain à la communauté. Ah! Mon père n'acceptera jamais cela. Je le comprends, mais ton père devrait trouver une autre idée. Ou alors, veut-il laisser le terrain à la communauté? Ah. Comme cela a été dit au conseil. Laisse-moi te dire, il préférerait mourir plutôt que de laisser le terrain à la communauté. Je te dis, je connais mon père. Je le connais, il n'acceptera pas. Chidi, ceci est très sérieux. Essaie encore, s'il te plaît. Je le ferai. Qui êtes-vous? Je suis Oshishiri, la mère de la paix. Qui apporte la paix? Qui ôte la paix? Alors, comment se fait-il que tu sois en charge d'une telle mission? Une fille de paix qui n'enlève pas la paix? En moi, elle réside. Je donne la paix au cœur qui a la paix. Et j'enlève la paix au cœur qui ne mérite pas d'avoir la paix. Que faites-vous ici dans ma concession? La main qui rejette la paix attire en elle la destruction. Un être méchant ne peut pas mériter la paix. Les larmes ont été partagées. Les larmes ont été versées. Les larmes inonderont ta maison. Que voulez-vous dire par là? Femme, vous ne pouvez pas partir sans toutefois me dire quelque chose. Femme! Femme! Mais où est-elle passée? Où est-ce qu'elle est? Où est-elle passée? Où est-elle? Thank you.
one day maybe you cry. Same people don't want to see you sad. Even one day maybe you sad. Qui est là? Qui êtes-vous? Montrez-vous! Qui est là? Qui est là? Une fille comme elle peut-elle se marier? Elle est pourtant très belle. Dans cet état? Ma chère, qu'est-ce que sa beauté a à voir avec sa condition? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Personne ne saurait le dire. Peut-être qu'elle est née ainsi. Ma chère, je ne sais vraiment pas. Ou peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal. Ma chère, ce monde est rempli de méchanceté. Personne ne saurait te le dire. C'est dommage. Jai. Every day and night, every day now, when you come back, every day now, and give me come with some man, I know you are your ce garçon est vraiment têtu. Ce garçon est vraiment têtu. Ne t'ai-je pas prévenu de cesser de venir chez moi? Ne t'ai-je pas prévenu? Oui, Ney, tu m'as prévenu. Mais Ney, je ne peux pas être moi-même. Ney, s'il te plaît, je suis venu m'excuser. S'il non, te mais plaît. De quoi est-ce que tu t'excuses? Donne-moi une autre chance pour arranger les choses. S'il te plaît, Ney. Si tu ne voudrais pas arranger les choses dans ta tombe, pars maintenant. Ney, s'il te plaît. Va-t'en! Ney, je ne peux pas partir. Comment oh, tu... je n'aime pas ça! Allez, Ney, dégage, s'il te plaît. Ici! Ney, s'il te plaît. Ney, s'il te plaît. Ney, s'il te plaît. Ney. Aïe. Ney, s'il te plaît. Ney, s'il te plaît. Ney, s'il te plaît. Ney. Reviens ici si tu es un homme. Espèce d'idiot. Pauvre crétin. Tu veux t'excuser? Non, mais tu t'imagines? Ah non, viens, moi, là-haut. Non, mais je peux. Hey! Tojiro, je ne peux pas croire que cela m'est arrivé.
sais, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donne-moi ma robe. Quoi? Donne-moi ma robe. Ah. Hey! Mon Achi. Sebina, donne-moi ma robe. Qu'est-ce qu'il y a, non? Je vais te déshabiller. Ce n'est pas ta robe. Tu vois? Je te l'ai dit. C'est moi qui l'ai cousu quand ça s'est déchiré. Et cette robe. Ma chère, enlève. Enlève. Hey! Mon Achi, enlève ma robe. Enlève ma robe. Voleuse! Enlève ma robe. Hey! Laisse. Elle a volé mes vêtements. Elle a volé. Mon Achi est une voleuse. Demandez-lui d'enlever mon vêtement. Enlève. Enlève ma robe. Enlève ma robe. Enlève-la. Voleuse. Enlève ma robe. Allez, enlève. S'il vous plaît. Je te désolée. Dégage. Voleuse. Nous allons continuer à t'exposer dans ce village. Sérieusement. Nous allons continuer à t'exposer jusqu'à ce que tu arrêtes. Merci beaucoup. Vous êtes de bonnes personnes. Hey. Merci. J'ai elle est terrible, cette fille. Elle est incompréhensible. C'est incroyable, mec. Je comprends cette pas. Cette fille, c'est une voleuse. Je ne comprends c'est pas possible. Elle a volé presque tous mes habits. Tu épouseras ce germec. C'est toi qui vas l'épouser. Cette voleuse épousera, mec. C'est toi qui vas l'épouser. Ces robes sont mauvais. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec cette fille. Ok, attends, que vas-tu faire? C'est incroyable, mec. Tu ne t'attends pas à ce que je porte ça. Quand je serai à la maison, okay, je vais la brûler. Ces robes sont tellement mauvaises. Elles sont mauvaises. Je l'ai aussi pensé. Oh, non, parce que... c'est trop. Attends. Quand j'y repense, je pense que tu m'as dit que c'était plus d'un habit. C'est beaucoup. Mais j'ai supprimé mon Achi avec celle-ci. Je vais continuer à l'observer. Si je la vois avec l'un de mes habits encore, je vais l'attraper, l'humilier et la déshabiller. Bam. Et moi, si cette fille n'arrête pas ça? Et si cette fille n'arrête pas ça, ça va lui coûter la mort, oh. C'est mieux qu'elle meure. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. C'est mieux qu'elle meure. Sa famille est maudite. Mon Achi, continue à courir! Quand je te verrai avec l'un de mes habits, je vais toujours t'attraper, voleuse! Allons-y, je ne sais même plus où on allait. Je ne sais pas, ma chère. Mon Achi, t'as confuse. Je suis confuse. Mon Achi, si je l'attrape encore. Je dois aller voir votre oncle. J'arrive. Se passe-t-il? Que se passe-t-il? Hein? Pourquoi es-tu habillée ici? Rien, maman. Comment ça, rien? Tu as quitté cette maison bien habillée. Et maintenant, tu rentres nue. Que se passe-t-il? L'habit que tu portais était un habit volé. C'était... Timo. Oh. Maman, que se passe-t-il? Oh.
qui mord. Grande sœur, que se passe-t-il? Oh. Ada Kumano. Ada Kumano. Ezika. Cette vie est injuste. Ce n'est pas facile. Comment pouvons-nous travailler comme des éléphants et manger comme des fourmis, mec? Direju, si tu me le demandes, à qui vais-je demander? C'est vrai, t'as raison, mais... Comment pouvons-nous planifier gros pendant qu'on n'a pas d'argent? On n'a rien. Et il n'y a rien qu'on puisse faire, c'est tout. J'ai pensé à un truc, mec. Ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est? Tu connais Masio Kizu? Celui qui est en charge des finances dans cette communauté. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Nous allons aller le voler. Quoi? Tais-toi. Non mais, sais-tu de quoi tu parles? La ferme. Il n'y a rien de tel que l'implication, mon frère. Il n'y a rien comme... On a quelqu'un qu'on peut utiliser comme bouc émissaire. Ah! Donc c'est de ça que tu voulais me parler? Mec, c'est comme ça que t'es méchant? Sérieux, donc c'est à ce point que tu es méchant? À cause du mauvais caractère de cette fille dans cette communauté, tu veux lui coller une étiquette sur tout ce qui est mauvais? Ah, t'es méchant. D'accord, bien. Bien. Nous n'allons pas l'impliquer, hein? Allons juste prendre l'argent. T'es drôle. Que tu l'impliques ou pas, c'est toujours la même chose. C'est la même chose. Mec, je ne te force pas. C'est mon opinion, si tu en as une autre, tu peux le dire, mec. En fait, il y a quelque chose que je veux dire. Mais tu connais mon téléphone, non? Mon téléphone? Ouais, je l'ai perdu. Si je l'avais seulement sur moi, j'aurais juste fait un appel et ça aurait changé nos vies, je te jure. Ça aurait changé nos vies. Mais ce que tu dis là est très injuste. Même la vie en elle-même est injuste. La vie est injuste. Regarde-nous, mec. Nous n'avons rien. La vie est injuste avec nous. Faisons quelque chose, mec. Hein? Allons-y. Avant que le propriétaire ne vienne, allons-y, mec. Mais quand même, c'est injuste ce que nous faisons. Maman, qu'est-ce que c'est? Maman, ce sont les urinaux. Les urines. Je vais aller pisser. Tiens. Pourquoi ne pas attendre? Nous sommes presque au champ. Allons dans notre champ et là, tu pourras uriner. Je ne peux pas attendre. Je dois uriner maintenant. En fait, c'est très urgent. Je ne peux plus attendre. Je vais uriner. Maman, je ne suis pas sûre que mon âge n'est pas pissé comme elle le dit. Pourquoi est-ce que tu le dis? Maman, pourquoi tu demandes comme si tu ne sais pas que peut-être qu'elle ne veut pas aller au champ avec nous? Elle va encore aller voler. Tais-toi! Fais attention à la façon dont tu parles à ta grande sœur. Ou quand tu parles de ta grande sœur. Elle part voler, regarde autour de nous. N'est-ce pas là la brousse? Qu'est-ce qu'elle peut bien voler ici dans cette brousse? Biko, avance là-bas, on va au champ. N'importe quoi. Adiaga, elle dit... Maman! Regarde! Woko mani n'jale. Thank you.
Quiconque voit la crainte de la daraque doit considérer la taille de son estomac. Fille de la terre, tu as en effet trempé tes mains. Et ceci a de grandes conséquences de la part des dieux. Et kumé kumé tabae. Qu'est-ce que je vois? Mon Ashi, alors comme ça c'est arrivé à ce niveau? Voler à la déesse? Hey! Les yeux ont vu le diable! Ancien, tes yeux ont en effet été surpris par le mal. Fais le nécessaire avant la colère des dieux. Elle est où? Qu'est-ce qui retient ta stupide sœur? Maman, je ne sais pas ce qu'elle fait en brousse. Elle n'est pas encore rentrée, ça fait déjà un quart d'heure, elle n'est pas toujours rentrée. Même si c'était une femme enceinte, elle aurait déjà accouché depuis un quart d'heure. Osuwani Kine, qu'est-ce que tu en sais d'une femme enceinte? Hé monsieur, réponds-moi, qu'est-ce que tu en sais d'une femme enceinte? Menenenenene, Itukumwane, Hikotowiko et tout. Atiefba, Owanya, Unyuanyuanya toi. Qu'est-ce que je suis censé dire? Tais-toi vite. Si elle ne prépare pas quelque chose de mystérieux, je ne pense pas. Voici l'espace que ton mari m'a donné avant qu'il ne meure. Et nous avions convenu que j'allais exploiter ce terrain pendant 10 ans. Et après quoi? Je te le rendrai. Ou alors, à ton fils. Nay, je suis au courant de ça. Oh, c'est bien. Oui, c'est bien. Nous avions également conclu un autre accord. Nous étions mis d'accord. Mais puisque ton fils n'est pas là, je pense que nous devons attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Nay, il n'y a pas de problème. Je vais lui tenir informé. Ça, c'est bien. Tu as toujours été une bonne épouse pour mon ami. Comment va-t-il? Nous allons bien, nous allons bien. Nous allons très bien. Dieu merci. Ça, c'est bien. Alors, quand ton fils rentrera, nous allons... Hé! Ezerike! J'espère que tout va bien. Tu as l'air perturbé. Oui. Udoko. Y a-t-il quelque chose que nous devons savoir? Sa fille a commis une abomination. Elle est allée voler chez la déesse et... Hey. Et elle l'a attrapée. Amadou Yao. Odanja. Chai. Oui, vois-tu maintenant? Le porte-parole des dieux. Le porte-parole des dieux m'a ordonné de faire le nécessaire. Et nous le savons tous.
demande de rassembler tous les villageois, mais aussi les gardiens de la tradition, pour témoigner de l'événement. Oui. En fait, cette fille s'est vraiment détruite. Oui, en effet. Je savais qu'un jour, cette fille se mettrait dans des problèmes. Hey! Et voilà que c'est arrivé. Quelle honte. C'est terrible. Encore? Ha! Cette fille a mal fait. Kai! Ichi Okori. Dieu merci que je t'ai trouvé ici. Maintenant que tu sais ce qui s'est passé, tu devras aussi faire ta part. Bien évidemment que je ferai ma part. Oui, je ferai ma part. D'accord. Oui, je ferai ma part. D'accord. Ouais, je ferai ma part. Je ferai aussi de même. Je vais informer d'autres femmes. Ah oui, 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 c'est bien. Fais ce que vous avez à faire, d'accord? Fais ce que vous avez à faire. Chai! Oh. Hein? Comment cette fille peut-elle voler partout? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Un très mauvais caractère. Comportement. Ouais. Obina Ogini, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas bien. Ogaro Semeno, c'est peut-être dire ce que j'ai mangé. Tu ne te sens pas bien? Hein? Il y a juste quelques minutes, tu te sentais très bien. Maintenant, tu ne te sens plus bien. Pour ton information, si tu rentres et tu laisses ce travail, ça va toujours t'attendre. Agua, Agaradjoa, donc il est mieux que tu travailles. Maman, je suis sérieux. Ce n'est pas de ma faute. Je ne me sens pas bien. Cesse de te plaindre. Travaille. Comment peux-tu travailler ici avec ton fils, sachant que ta fille est liée à une déesse? Fais attention à ce que tu es en train de dire. Gunume. Maman. Munachi, ta fille, a été liée à la déesse en voulant voler l'argent qui lui a été réservé. En ce moment où nous parlons, là maintenant, tout le monde est rassemblé là-bas comme l'a ordonné le grand prêtre. Tu ne vas pas courir. Tu plaisantes? Tu ne vas pas courir. Mais tu as le mot, Jesse. Il n'était même pas au courant. Il y a comme une abomination. En voulant voler, l'offrande qui était destinée à la déesse ou échouée. Et ton action aura de graves conséquences. Ekoumen kabae! Ekoumen tabae! Quiconque attire la calamité le subit avec sa famille. Oui. Ekoumen kabae! Ekoumen tabae! Femme, arrête de la toucher! Ne la touche pas! Sinon, la calamité qui est autour d'elle te consumera aussi.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, homme sage. C'est ma fille. Ta fille? Ta fille a commis une abomination. Et elle restera dans ce lieu pour les 11 prochains jours du marché. 11 jours du marché? Pas d'eau. Pas de nourriture. Si elle survit, les dieux décideront d'avoir pitié d'elle. Ekume kume kawae! Ekume tawae! Homme sage, je vous en supplie au nom de Dieu. Je m'agenouille au nom de Jésus-Christ pour vous demander de lui pardonner. 11 jours, sans manger et ni boire, notre source de vie, elle mourra, s'il vous plaît. Femme, je parle au nom de Dieu. Ce lieu est sacré et doit être respecté. Je vous en prie. Le processus est lancé. S'il vous plaît. Tout le monde doit partir maintenant. Abomination! Oui. S'il vous plaît. Partez! Ekume kume kabae! Ekume kume kabae! Ekume kume kabae! Femme, partez! Père, avant que la folie ne devienne ton compagnon pour le reste de ta vie. Père, maintenant, j'ai dit de partir. Ekume kabae! Ekume damae! Ekume kabae! Ekume damae! Ekume kume kabae! Ekume kume kabae! Ekume, ekume, ekume kume kabae! Ekume damae! Ekume damae! Ekume kabae! Ekume kume kabae! Eh ouais, Timo! Et je dis de partir! Partez! Partez! Ma fille. Elle mourra de faim! Ekume kume kabae! Ekume kume kabae! Je peux voir que tu es en plein cercle. Je suis venue trouver des herbes. Oh, alors, j'ai mis force à sacler. Merci. Ah, que s'est-il passé? Je n'étais pas vue. Ça fait longtemps avec tout ce qui se passe dans ce village. Tu n'étais pas montrée, toi qui es toujours là. Ah. Ma chère, ce n'est pas de ma faute. L'hommagie est très dure dans ce village. Hein? Penses-tu que j'aurais volontairement manqué ce qui s'est passé? Ah, ça y est. Alors, Munachi a finalement été pris au piège. C'est ce qui est où, ma sœur. Et elle y sera pour 11 bons jours du marché. Ah. Et ce, avant que les dieux ne décident de son sort. De quoi est-ce que tu parles? 11 jours de marché n'est pas un jour. Hein? Comment tu vivras cette longue période sans nourriture et eau? Ah.
Le grand prêtre aurait ordonné l'exécution au lieu de prolonger. Mais, franchement, la volonté des hommes est différente de celle des dieux. Ils savent ce qui est mieux. Tu as raison. Si Mounati survit à cet incident, hein, ce fait de vouloir toujours voler, ah, évidemment, elle vivra longtemps. Assez de ces discussions. Je dois retourner aller voir ma belle-sœur. Nous devons aller quelque part. Mm-hmm. Je te verrai un de ces quatre. Nous devons aller quelque part. Hey. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais discuter avec toi. Ah, c'est d'accord. Tu me laisses aller. D'accord. D'accord. C'est compris. Salut sur toi, Ongeti. Je vais transmettre ça. Merci. Merci. Je termine mon travail. D'accord. Merci. Hein. Mazu Keze, ah! Qu'est-ce que tu fais encore? Ah! Et tu transpires même! Quel est le problème? Où est le sac d'argent? Où as-tu oublié que nous avons réunion maintenant? Mazukiri, je suis fini. Que se passe-t-il? Je suis fini, oh! Vas-y, parle, que se passe-t-il? Je n'ai pas retrouvé l'argent. Hein? Ekula! J'ai cherché à l'endroit où... Ekula! J'ai dû fouiller chaque pièce de ma maison. Je n'ai rien trouvé. Nous parlons là de l'argent de la communauté. C'est pourquoi je me lamente. C'est pourquoi je me lamente. Hey! Ekuna Pananya. Eh, qui aurait pu faire ça? Si je connaissais, serais-je là en train de parler? Hey! Quel est ce genre de question? Bien sûr que je ne connais pas. Je pense que je soupçonne mon Hachi. Hein? Oui. C'est la seule capable d'un tel acte. Ah ah. As-tu oublié que mon Hachi a été amené au sanctuaire il y a 3 jours? Pour faire face aux conséquences de l'acte qu'elle a commis. Elle a retenu au sanctuaire. Sache que rien n'est impossible avec elle. Oui, rien n'est impossible avec mon Hachi. Ah ah. Elle est la seule capable d'un tel acte. D'accord, et maintenant? Hein? Elle a dû voler l'argent avant d'aller au sanctuaire. Non, comment peux-tu dire ça? Mon Hachi qui est retenu au sanctuaire s'est libérée et est venue voler chez toi. Elle a pu voler l'argent avant d'aller au sanctuaire. Que dis-tu là? Il s'agit d'une personne que je connais très bien. Hein? Ha! Ah, c'est la seule capable d'un tel acte. Bien, laisse-moi te demander. Si c'est elle qui a volé l'argent, comment veux-tu qu'elle te réponde? Puisqu'elle répond toujours aux conséquences de l'autre crime qu'elle a commis. Sa famille devrait subir les conséquences. Hey! Ils devront rembourser cet argent. Ça, c'est très grave. Tout d'abord, nous devons informer les villageois de ce qui s'est passé. Ils doivent être au courant. C'est incroyable. Ha! Eh bien, dans ce cas, va te changer et partons. Quoi qu'il en soit, va te changer et partons. Nous n'allons pas rester ici. Aïe! Allez, Mané. Mon Hachi. Hey! Les personnes sont déjà en retard. Choco, il ou la pomme, il ou sa rame, il ou la pomme, il ou sa rame, il ou la pomme, il ou sa rame, car il est bon à la vérité, il ou sa rame. Nay, j'espère que tu apprécies le repas. Oui, maman, merci beaucoup.
Ça a été préparé par Monsieur Omar. C'est une bonne cuisinière. Elle m'a trop parlé de toi. Elle dit que tu es l'homme qu'il lui faut. Merci, maman. Merci, maman. Merci. Maman, je ne suis qu'un homme ordinaire. Maman, un homme ordinaire avec... Qu'est-ce que c'est que ça? L'iPad. Si Omar m'a parlé de ton iPad, oh, Maka. Oui, merci, maman. Merci, maman. En fait, la raison pour laquelle je suis venu, c'est parce que nous voulons savoir comment tout établir. Je veux savoir comment les choses se font ici, oh, que je puisse retourner auprès de ma famille pour mieux nous préparer. Oh, j'aime vraiment ta façon de réfléchir. Tu es vraiment... Tu as raison. Tu sais, certaines personnes sont venues ici pour épouser ma fille. Je les ai renvoyées parce que ma fille ne pouvait pas encore se Maman... Tu n'es pas prête à l'envoyer à mariage. Mais ton cas est différent. Si tu as l'iPad, ça veut dire que tu es bien préparée. Bon, nous avons une liste. Une liste pas bien longue comme je la présente. Hein? Comprends? Donc, je vais réduire un peu. Juste un peu. D'accord? Monsieur, bienvenue chez nous. Que fais-tu ici? Merci, ma chère. Non. Faut pas la sourire. Elle n'est pas réellement ma fille. Effectivement. Ça, je suis une orpheline dont je m'occupe. C'est nous vrai. Faites des bons samaritains. Maintenant, faites la partie d'ici. Faites la partie d'ici. Qu'attendez-vous? Comme tu peux le voir, nous avons un visiteur. Laisse-nous t'aider. Dépêche-toi, tu dois aller manger ton repas. Détendez-vous, sentez-vous à l'aise. Merci, Omar, prends soin de vous. Dépêchez-vous d'aller avec cette fille. Elle y va. Oh, elle y va. Oh, ouais, loulou. Alors, Onaï, comme je disais, la liste n'est pas si longue. Idiote! Avance, avance! Tu pleures! Tu pleures! Tu pleures! Idiote! Espèce de stupide! Je ne t'en veux pas! Qui t'a demandé de poser tes pieds déformés là-bas? Ce n'est pas à toi que je parle! Tu me regardes? Qui t'a demandé de quitter d'ici? Donc tu ne veux pas parler? Es-tu sourde? Il faut parler! Laissons-la! Qui t'a demandé de poser les pieds là-bas? Laisse-moi te dire une chose. Maman va s'occuper de toi. Une fois que Jude partira, tu lui diras pourquoi tu t'es présentée devant Jude. As-tu que cherchais-tu? Hein? Tu ne parles pas, n'est-ce Regardez-la. Pas? Regardez-la. Tu veux jouer à la gentille, hein? Maman arrive. Tu lui diras pourquoi tu t'es présentée devant Jude. Pourquoi N'importe tu t'es montrée? À Norfia, espèce de pauvre idiote. Donc, c'est bon. J'espère qu'elle ne viendra plus nous embêter. Na, chai. Tu vois, je vais parler à la famille pour les informer de ta venue. Je vais leur demander de dresser la liste. Et je D'accord, te l'enverrai maman. Pour que tu puisses la montrer à ta famille pour nous dire Aucun quand... Aucun problème, maman. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Je vais bien, maman. Je fais juste des calculs dans mon des esprit. Des calculs, continue de calculer. Les gens qui ont l'iPad sont toujours en train de calculer. Parce que de cette façon... Maman, tu as raison. Reste éveillée. Ok, maman. Mais j'espère que ce n'est pas à cause de cette fille. Je t'ai dit. Écoute, elle n'est même pas parentée à elle. Donc, c'est une orpheline. Écoute-moi, nous voyons ici. Oui. Ah, oh, Kago. Oui, maman. Oui. Écoute, tu ne seras même pas dessus, hein? Ne t'inquiète pas, si tu as besoin de le faire, tu n'as même pas besoin de rencontrer la famille. Tu as de l'argent, tu as du cash, hein? D'accord? Je vais réduire la liste pour faciliter les dépenses, hein? Oh, Bimi. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Est-ce que tu veux autre chose? Ça va aller, ma chérie, ça va aller. C'est juste assez. Il est en train de dire qu'il bien. Va bien. chérie. Monsieur Omar, mais tu es onouchke. Tu es du mou, tu es mok. Tu es notre boîte de jambes.
Ici, Kouné, je n'arrête pas de le dire. Cette fille, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Je veux dire, dès la minute qu'elle a suivi notre conversation avec le visiteur, directement, il a changé. Hein? Elle a apparu là comme un esprit. Et tout s'est gâté. Tu es là en train de me dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais je ne dis pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mmh. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour la traiter de sorcière. Souviens-toi que ce n'est pas de sa faute si elle est née comme ça. Je sais que ce n'est pas de sa faute. Mmh. Mais ce n'est pas également de ma faute. Hein? Cette fille est pleine de malheurs. Depuis qu'elle est entrée dans ma famille, la malchance ne cesse de nous suivre du haut en bas. Cette fille est pleine de mystères. Non, je ne vais pas rester les bras croisés et laisser que ça arrive encore. Ah, que veux-tu dire exactement? Je vais t'expliquer. Quand je vivais avec mon mari, avant qu'elle ne vienne, nous nous aimions tellement. Et tout d'un coup, il a décidé de prendre une deuxième épouse. Et ils ont donné naissance à cette fille. Les problèmes de nulle part ont surgi. Hein? Mon mari est mort d'hypertension. Pourtant, sa mère est morte d'une indigestion. Ne peux-tu pas voir quelque chose de louche? Cette fille est le mal en personne. Et tu sais quoi? Cette fois-ci, je ne vais pas la laisser. Tu m'entends? Je ne vais pas accepter ça. Mais je suis sérieuse. Je suis au courant de ça. Mais ce que je ne comprends pas... Arrête de me poser ce genre de questions. Comment peut-elle être liée à ce genre de choses? Hein? Comment peux-tu dire ce genre de choses? Oui. Kina Chukaju, n'est-ce pas quand elle est arrivée que tous ces problèmes ont commencé? Et Nachuka, non. De toutes les façons, écoute. En y repensant, tu as toujours pris le parti de cette fille. Tu es supposée être mon amie et non la sienne. Mbamba, je n'aime pas ça. Mbamba, il faut que tu réfléchisses. Hein? Mais de toutes les façons, je ne vais pas croiser les bras. L'avoir fait plus de mal dans ma famille. Mais c'est compris. Hein? Ne laisse pas l'amertume te pousser à maltraiter cette pauvre fille. Hein? Biko, arrêtons de parler de cette fille. Parlons d'autre chose. Parlons de nos enfants. Non, parlons de l'argent que tu me dois. Tout le temps, tu empruntes de l'argent chez moi. Et tu ne rembourses pas. C'est ce que tu ne cesses de dire. Et tu ne fais rien. Regarde, toujours plus grosse que moi. Je vais te payer. Tu ne rembourses jamais. Pour ne pas rembourser, que tu rembourses mon argent.